président Godé Mboïka-Dima reste dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale. C'est des histoires montées de toutes pièces. Mais vous avez une carte, vous n'avez pas une équipe. Vous n'avez pas une. Info Congo Masolo, Mbote Nabino, so vraiment Baoba Sabona, na pesi bino mbote, bino non bo sabonate, bo sabone e belé e belé na Info Congo Masolo, bande konanga bandakanga na bambo kamisika, bienvenue, Mokambi là depuis Bruxelles, na pesi mbote, en tout cas pour Pontigbo depuis Montréal, mbote na, parce que Olanda a vraiment politique na biso mboka ndenge zali koleka na loupe, bino so boyoka ki makambo ndenge zali koleka na awa pétition zaki contre président ya assemblée provinciale, ndenge nini kuleka na makambango vraiment eza ya koinda awa eza vraiment ya koinda putulu emati en tout cas bino sobolanda tozo kota na kati pour na repasser bino ba image vraiment à tout à l'heure merci. Donc nous avons réussi à faire fonctionner cette institution sans argent parce que quand nous sommes arrivés nous avons trouvé les caisses vides. Je pense que pour cela, on devait nous féliciter. Mais je ne regrette pas parce que j'ai compris qu'en RDC, on n'aime pas ceux qui bâtissent. On aime ceux qui détruisent. Mais malgré la méchanceté, l'histoire retiendra que 48 personnes étaient passées dans cette assemblée lors d'une mandature. Ils ont laissé le bâtiment. Et on me dit, nous n'avons pas de contrats avec des sociétés, des structures sanitaires. Pour les députés qui tombent malades. Oui, j'ai dit que nous n'avons pas de contrat. Mais qu'on ne me dise pas que nous n'avons pas de soins. Parce que chaque fois qu'un collègue est malade, nous intervenons. Les bénéficiaires sont là. J'ai retrouvé même les listes sur la liste des pétitionnaires, c'est ça la vie. Mais les archives attestent, et vous le savez, que tout celui qui a été hospitalisé dans cette assemblée a bénéficié dans une certaine mesure de la magnanimité de votre bureau. Pourquoi nous n'avons pas voulu avoir des contrats classiques? Et cette gestion a certaines règles qui veulent qu'on puisse minimiser davantage les coûts et maximiser les profits. Ça s'appelle la théorie des coûts des transactions. Avec mon vice-président, président de CEA, nous nous concertons parce que le social est relève de ses attributions. Il va prendre quelques contacts avec les organisations hospitalières. Il me dit, président, il nous faut au moins, pour des soins moyens, 20 000 dollars par mois. Que nous n'avons pas. Parce que la dotation n'est pas exécutée. Alors, si nous signons un tel contrat, nous cristallisons les charges fixes. Je suis fonctionnaire jusqu'à ce jour, mais en détachement. J'ai fait 25 ans de carrière à la plus grande administration de l'époque, la DG. Aujourd'hui, supplantée par la DG. Je ne peux pas négliger les fonctionnaires parce que ce sont mes collègues. Il appartient à la République de faire fonctionner ces institutions. Je ne suis pas actionnaire majoritaire à l'APK pour payer les salaires des fonctionnaires. Il est connu de tous que ça fait 9 mois que nous ne recevons pas l'argent pour payer les personnels, pour fonctionner. À ce moment-là, moi je ne suis pas syndicaliste. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi dans les médias. On nous a promis mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que le gouvernement central ne veut pas. Mais la crise née de la pandémie du Covid est mondiale. Elle sévit partout avec beaucoup de sévérité. Vous avez appris que pour la toute première fois de l'histoire de l'Union européenne, ils ont ramassé sur les marchés financiers une dette à la hauteur de 750 milliards d'euros et cette dette sera payée jusqu'en 2058. La République n'a pas d'argent pour le moment. Pendant que je parle avec vous, toute l'administration des finances sur le plan national est en grève. Les trois grandes régies sont en grève. C'est pour dire qu'elle est en grève.
Honorable vice-président, président d'essayant, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, je disais tantôt, et pas de manière ostentatoire, que la gestion, c'est l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas un service générateur de recettes. Pour ceux qui ne le savent pas, le budget de la ville pour l'année 2020 était de 500 millions. Et sur ces 500 millions de dollars, les 70% devaient provenir du gouvernement central. J'ai vérifié au ministère du budget sur le plan national, pendant les premiers semestres, la ville de Kinshasa n'avait reçu que 10% de ses fonds. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais les fonctionnaires savent que je n'ai pas seulement de la sympathie, mais j'ai aussi de l'empathie pour eux. Ce n'est pas chaque jour. Quand c'est possible, j'interviens personnellement. J'ai un cœur pastoral au-delà de ce que je suis en train. Et moi, je suis chrétien. On m'a dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite est en train de faire. D'ailleurs, à part les fonctionnaires qui veulent faire la politique comme nous, les vrais fonctionnaires, ils reconnaissent les efforts que j'ai. Lorsque vous allez à la compta, vous allez trouver combien de décharges j'ai fait signer au secrétaire provincial parce qu'il m'arrive de m'endetter auprès des cambistes pour payer les fonctionnaires que l'État congolais a engagés. Ces gens ne travaillent pas pour nous. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts, mais nous comprenons que le gouvernement a la bonne foi, mais la crise ici est mondiale, chers collègues. Donc là, je venais de vider les 5 premiers greffes. Honorable vice-président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, on m'attribue un enrichissement illicite du fait de l'achat des véhicules. Mais je crois que tous les fonctionnaires qui sont ici, moi je suis pauvre, je ne suis pas riche. Je suis pauvre, je suis l'enfant des pauvres. Peut-être que j'essaierai riche un jour. Mais je crois que tous les fonctionnaires ici nous ont vu venir. Je garde la même ligne. Et les archives l'attestent. Honorable député, chers collègues, moi, dans ma vie, il y a trois choses que je ne fais pas. Je ne sais pas comment on ment, je ne sais pas comment on vole, je ne sais pas comment on drague les copines. Je vais répondre à une question. Donc, c'est faux et archi-faux. Nous avons négocié cette affaire pour les bonnets collectifs. Les véhicules ont été livrés. Qu'on ne vous trompe pas, les seuls intérêts que nous payons, c'est auprès d'Afriline. On ne paye pas des intérêts auprès du concessionnaire. Ce qui est écrit dans la pétition, c'est encore l'expression de la haine et de la méchanceté. Vous le savez qu'on ne vous a jamais retenu des montants ou des quotités à reverser chez les concessionnaires, ça n'existe pas. Et je prie Dieu qu'il pardonne ceux qui ont inséré, ceux qui ont apposé leur signature sur ces mensonges. Donc, comme vous le voyez là, en aucun moment, il y a des choses que je ne sais pas vous dire. Un jour, appeler l'honorable rapporteur, parce que c'est lui qui connaissait les concessionnaires, amenez-les devant le cardinal à Congo, qu'il gire sur son honneur, il sait que j'avais décliné toutes sortes de propositions. Ce n'est ni dans mon éducation, ni dans ma formation. On est messieurs des grandes dames respectables, des grands et des grandes quinois. On ne doit pas bafouer leur honneur parce que les gens sont en mal. Enfin. Donc, c'est pour vous faire dire que je n'ai aucun intérêt, et je n'ai aucun intérêt d'interdire à un collègue de venir à l'Assemblée quand il le fait. Samedi à 16h, vous voyez la méchanceté. Et comme on aime du folklore, je vous dis, chers collègues, qu'il y a la différence entre la politique et l'impolitique. Ce que j'ai vu dans cette pétition, c'est de l'impolitique. Donc, vous comprenez qu'il y a
n'a jamais eu avis de pouvoir. Tous les policiers sont là. Aucun policier, en commençant par le capitaine Meya, ne vous dira que le président avait donné ordre dans ce sens. Comme mon vice-président, nous croyons au destin de votre volonté. On quitte là, on dit non. Il crée beaucoup de commissions qui étouffent finalement les commissions permanentes. Mais, honorable vice-président, je suis en train de citer le président de CEIA, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues. Apprenons à lire notre règlement. Vous avez vu tout de suite là comment le vice-président est recadré déjà par rapport à notre règlement. Nous, c'est notre Bible. Lorsque vous lisez l'article 47 de notre règlement intérieur, il nous est demandé de constituer des commissions spécifiques. Ces commissions spéciales sont instituées par notre règlement intérieur. Et ce n'est pas à ma demande, c'est à la demande des députés. Et je crois que ça s'appelle transparence. Si j'avais des choses à cacher, pourquoi je, pour l'année passée, j'ai signé 50 ordonnances. C'est-à-dire que je n'ai personne à protéger, je n'ai rien à cacher. Oui, là je cite, je cite, comme mon chef m'a fait remarquer, donc c'est lui qui a le pouvoir maintenant. Il peut même m'arrêter. Et on parle de ces bâtiments. Mais pourquoi vous êtes contre ceux qui construisent? Qu'on ne vous trompe pas, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a jamais déboursé un seul franc congolais pour la construction de ces bâtiments. Ce bâtiment est constitué sur fond des nouvelles théories de finances publiques, notamment la débudgétisation. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée. Il faut remercier ces personnes qui sont là. Cet argent a été pris sur nos FCR. On parle de quoi? Monsieur le Président, je ne vais pas avoir 2 minutes pour chuter. Ou bien 1 minute? 2 minutes. C'est pour vous dire que la procédure a été régulièrement suivie. Le problème à Kinshasa, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. La procédure a été suivie. Nous avons eu tous les avis de nos objections. Honorable vice-président, président de CEIA, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, ce sont là les réponses que j'avais réservées aux questions qui étaient soulevées par les questionnaires. Merci beaucoup. Pour toi, parce que c'est vous qui m'avez convaincu. Je suis aussi celui qui a demandé du haut de ce tribunal, et vous savez, président de la science, qu'il y ait une séance d'évaluation des actions de l'Assemblée. Si cette séance avait eu lieu, ce déballage public, ça, nauséabond, n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? Raison pour laquelle j'ai signé, je n'ai pas signé pour être d'accord avec le 9 grief. Je signais parce que j'aime cette assemblée et je veux qu'elle avance. Honorable Président, je ne serai pas. Je continue à croire que des 9 griefs, bien sûr, il y a ceux qui étaient peut-être excessifs, mais j'aurais voulu entendre de mon Président autre chose. Une forme de mea culpa, tout ne peut être parfait. Le président Godembo est un homme de Dieu et il le sait. Président, je vous aime, vous le savez. L'humilité précède la gloire. On aurait dû éviter tout ça et je suis malheureux de prendre parole aujourd'hui là après vous parce que je vous ai voté. Si j'ai signé, et vous savez pourquoi, si j'ai signé, c'est ça ma motion. J'estime que le déballage, les images qu'on voit de notre assemblée comme ça, vous n'aimez pas, moi non plus je n'aime pas. Il y a beaucoup de professeurs qui sont ici. Moi, je suis choqué. J'aurais voulu entendre ici, oui, pour ce point, on n'a pas été optimal. C'est aussi du management. On a fait de notre mieux. Mais là où je me suis résolu à prendre la parole, Président, comment si vous êtes le premier que nous avons choisi, vous pouvez nous considérer comme des députés alimentaires? Je suis signé. Rien à voir que je suis monté. Je ne suis pas un député alimentaire, Président. Le président ne doit pas dire ça de ses députés qui l'ont élu. Je suis. Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas intervenu pour avoir. Je veux que notre assemblée puisse avancer. Je n'ai pas signé cette pétition pour des considérations alimentaires. Au contraire, pour aider le bureau
président aller de l'avant. Et pour cette raison, je m'attendais à ce que le président me dise aujourd'hui ici, honorable Dimoala, il aurait dû me dire, vous avez été un de mes délégués quand l'honorable Magloire avait travaillé pour la DGRK. Je vous ai même appelé et vous avez fait la médiation avec l'honorable Magloire. Donc j'ai travaillé pour le président. Donc nous ne sommes pas, je ne suis pas un vagabond dans un train pour des raisons alimentaires. C'est ça, président. C'est pour cette raison qu'on en arrive là aujourd'hui. J'aimerais venir entendre ici le président dire, j'étais ici, vous vous souvenez, lors de la décision du budget. J'ai dit que les agents étaient mal payés. Le montant n'était pas correct. Je l'ai dit ici. J'ai dit que le personnel n'était pas bien payé. Je l'ai dit du haut de cette tribune. Pourquoi alors m'empêcher de signer quand cela reflète un peu ce que j'ai dit durant tout le temps? Je m'ai dit que j'étais aussi fils de pasteur et pasteur qu'il fallait regarder d'un autre œil la qualité de vie de nos agents. Ma non, non, président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je suis resté dans la salle, même quand on a voté le budget. Les collègues sont partis. Moi, je suis resté pour le débat démocratique, parce que je dis, tiens, et j'ai voté ce budget, président. Vous le savez, il ne faut pas nous mettre tous dans la même poubelle. Ça, je ne peux pas l'accepter. Nous sommes entre nous, élus, et nous avons choisi de vous mettre là. Vous êtes pour nous. Alors, pourquoi nous mépriser? Parce qu'on veut entendre autre chose. Je termine présent en disant ceci. Nous sommes tous dans la même ville de Kinshasa. Nous sommes tous des Chinois. Tous nous aimons cette ville. Chacun à sa manière. Il n'est pas question ici, quand on a fait une pétition, de croire que nécessairement on allait voter pour le président. Moi, j'entendais ces débats. J'aurais voulu avoir un débat élevé où le président disait il a ceci, il a cela. Je continue. Je suis élu pour la commune de Barumbu. La commune de Barumbu a toujours montré une marche compliquée. Corona, Agenis, lors de la campagne, nous avons seulement dit ceci. Essayez de changer l'image de la commune, essayez de voter un professeur et les gens suivis. Et nous allons nous battre pour vous. Depuis qu'on est ici, chaque fois que je monte, je demande, faites-nous pour l'avenue X, pour l'avenue Y. Et je constatais, je terminais par là, que le bureau et les présidents ne mettent pas suffisamment de pression au niveau de l'exécutif pour que soit exécuté le budget tel que proposé. Quel bilan je vais donner moi personnellement, je ne connais pas pour les autres, quand j'ai rentré auprès de la base. Raison pour laquelle, président, j'ai signé et j'aurais voulu que le président nous invite à un nouvel élan positif pour notre ville de Kinshasa. Président Baudet-Pouy, je m'excuse, j'ai un peu meurtri et touché. Roger Dumoala, député alimentaire, ayant signé pour toucher quoi que ce soit. Ça, je suis recteur, je ne peux pas laisser passer. Qu'est-ce que les étudiants doivent dire? Que moi je suis un corrompu, qu'on m'aurait payé pour signer? C'est pour ça que j'ai demandé ce motion. J'aimerais que cette partie-là, président, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander que cette partie-là, vous puissiez la corriger. Il y a des gens qui peuvent être pas d'accord avec la totalité des choses, mais ça, je ne pouvais pas laisser passer, président. Si vous nous aimez un tout petit peu, si vous nous respectez, vous ne pouvez pas nous considérer tous. Tout ce qui a signé comme des députés alimentaires. Je dis. Merci, honorable Dumoala. S'il vous plaît, en réalité, après la réplique du président, on ne devait pas accorder la parole à qui que ce soit. On devait passer directement au vote. Je pense, je croyais qu'il s'agissait d'une pétition. Malheureusement, pour moi, il n'y a qu'un seul micro, je ne peux pas l'arrêter. Donc, c'est ça la difficulté. En principe, on donne pour la parole. Si y a tous les services provinciaux et régis de la ville. Je crois que chacun de nous a un bilan à présenter à la fin de notre législature, à la fin de notre mandat. Et les députés, s'agissant de son travail de parlementaire, de procéder au contrôle de l'exécutif, des régis, services provinciaux de la ville de Kinshasa, sont en droit justement d'initier des motions, des questions d'actualité, etc. à l'endroit de ceux qui gèrent la ville. S'agissant de notre assemblée provinciale, nous avons été élus par les députés provinciaux et il n'y a que les députés provinciaux qui peuvent décider de notre départ s'ils nous retirent la confiance. Et chaque député est en droit d'initier une pétition contre le membre du
nous ont élus, de cette même manière, ils peuvent se rébiffer et initier une pétition contre nous. Et l'honorable Imola, personnellement, je suis d'accord avec vous. Et le président est en train de faire le meilleur pour pas de loin. Mais étant donné que c'est lui qui est directement indexé, je souhaite qu'il reprenne la parole pour 3 minutes. Honorable président. Président
c'est des histoires montées de toutes pièces. Et ça, démocratie, hein. Bien ici, Batoubaye, c'est ma collègue, ma conseil de pétition, ma collègue, monsieur Batali, ma gababi, qui est à bon côté. Va s'exprimer, c'est la démocratie. Mais vous avez une carte, vous avez une équipe. Vous avez une équipe.